Étape et conseil numéro 6. Prendre de la distance avec mes pensées. Autrement dit, traiter et discuter le scénario catastrophe et accepter de ne pas contrôler, ce qui est le plus difficile. Je traiterai l'acceptation de ne pas contrôler dans une vidéo totalement à part. Ça nécessite une discussion séparée. Comment prendre de la distance d'une guerre qui peut faire disparaître l'hémisphère nord avec une actualité brûlante comme celle-ci? Voici la conversation que j'ai eue avec ma radio Blabla qui parle un peu trop fort en ce moment dans ma tête. D'un côté, vous aurez la voix de la raison, bien pragmatique, qui pose des questions socratiques, et de l'autre, radio Blabla et sa rengaine habituelle. Alors, quelle est ta preuve, Sarah, que ça va se terminer en Troisième Guerre mondiale? Bah, les preuves géo, stratégico, politico, fanatiques sont pléthores. Il n'y a qu'à demander. Regarde autour de toi. Ok, et tu es sûr à 100% que la guerre nucléaire aura lieu? Non, pas à 100%. Jusqu'à la dernière seconde, je laisse une chance à la paix, j'y crois. Cool. Donc tu mets ce pourcentage à combien? Qu'il y aura une guerre nucléaire? Oh, aujourd'hui, 40%. C'est élevé, tu sais, 40%. Oui, c'est beaucoup. Moi, ta pensée pragmatique, je vais commencer à douter. Ok, du coup, il reste 60% de paix possible, si je calcule bien. Vu comme ça, oui. Ah, je pourrais rajouter encore quelques points alors. Oh, c'est bon, pas de singerie, reste focus. Du coup, tu dis que qu'à 60%, il n'y aurait pas de guerre nucléaire. C'est bien ça que tu dis. Oui. C'est ce que je dis, oui. Mais qu'est-ce qui permettrait cela alors? Ah, je sais pas, qu'est-ce qui permettrait cela? Je sais pas, les pays dits civilisés et sécularisés vont enfin se réveiller et parler de paix? Nous avons quand même des gens bien cortiqués, intelligents, connaisseurs, pointus dans leur domaine. On finira bien par entendre leur voix. Ou que les différents belligérants soient tellement rassasiés de sang d'innocents qu'ils vont se calmer par eux-mêmes et que le nucléaire n'aura pas lieu. Ou que ce sera une guerre mondiale de haute intensité, qu'il y aura d'horribles dégâts, mais que les différents acteurs mondiaux vont essentiellement se dissuader et ils vont seulement jouer à se faire peur et ne jamais appuyer sur le bouton. Et que, espérant que Joe le sénile soit sage, avoue que c'est inquiétant. Mais lui, bizarrement, personne ne l'inquiète. Tête, 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 tête. C'est pas le sujet. Focus. Tu viens donc de me citer plusieurs raisons que ça ne pète pas, finalement. Pas en nucléaire. Oui. Oui. Il me vient en tête une parole de Voltaire qui disait: la tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Et Malcolm X. Paix et liberté ne peuvent être séparées, car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre. Et là, je pense à mon chouchou de tous les chouchous, Bento, Baruch Spinoza, qui disait que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Et du coup, j'ai un rêve, comme disait Martin Luther King. J'imagine que tous les peuples d'Europe, des Amériques, du Moyen-Orient, d'Asie, de Russie, à l'heure de réseaux sociaux, ça devrait être possible, sortent dans la rue dans une marche monumentale pour la paix et que ça dure suffisamment longtemps pour que les psychopathes autocentrés qui gouvernent le monde au fond de leur bunker, ainsi que ces fanatiques de tous bords, assoiffés de fin des temps, abandonnent l'usage du nucléaire. Avec un téléphone connecté dans chaque main, chaque poche, chaque cerveau, se répand la bêtise, la superficialité, l'abjection et l'individualisme, la division. On injecte à écran interposé le vide, la haine. Laver les cerveaux n'a jamais été aussi facile. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, est ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre, celui de la vertu. Mot certes rendu grossier ces derniers temps. Il suffirait d'une volonté ferme pour que l'instrument de la crétinisation des peuples devienne l'instrument de l'instruction, du respect mutuel, de la construction commune, de la paix. J'ai ce rêve.
et je vais le psychoter sans modération.